Hello, good afternoon. Mr. Stefano Mirante, I can see you online. I am indeed. Okay. Good afternoon. Good And afternoon. I can also see Mr. Jude Garcia. Good afternoon, my brother. Hi, good afternoon. Okay. So I'm waiting for Mr. Kang Hong. Mr. Kang Hong. Mr. Bubakar Khalil Ndiaye, Mr. Bubakar Khalil Ndiaye, and the only princess among the four princes, Miss Maria del Carmen Benitez. I'm not able to see them online. Okay, Mr. Khan will give his speech by video. That's fine. Let me check our chats so that we are sure of what we have. Okay, we are waiting for the other panelists to come online. I'm very sorry, but Mr. Khan Hong will give his speech via video. So, how is the experience so far with learning cities? How is it in Korea? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Our forum will start at 4:35. Nous allons commencer à 16h45. Nous allons commencer bientôt. Et pendant ce forum, il y aura des services d'interprétation, Channel 5 pour le coréen, Canal 5 pour l'anglais, Canal 8 pour le français. Nous vous demandons de porter un masque si vous êtes ici en personne. À tout de suite. May I have your attention once again? We are commenced shortly, so please be seated. As soon as you take a seat, so we will start this forum. So please be seated. Thank you. Thank you for your cooperation. Thank you. So I think
all of the people are ready for the forum, so let's get it started. Well, ladies and gentlemen, and distinguished guests, a very warm welcome to the 5th International Conference on Learning Cities. I am Min Pang Kim once again. And as you know, this event has given a chance to facilitate knowledge exchange on global health education. And we also come to know the gravity of health education in the face of COVID-19. So I think this event is more meaningful than any other times. So here in this session, we'll address the issue of how to build healthy lifestyles and how to promote a healthy working environment through learning. So for this session, we are joined by 5 speakers and we have a short Q&A session after all the speeches. So if you have any questions, please leave them in the chat room. So it's time to pass the mic to you, Ms. Sarah Anyang Agbo, the moderator of today's session. Please welcome her with a big round of applause. Hello. Hello, Ms. Sarah. Okay, mic is yours. How are you? Nice to see you too. Thank you very much. Thank you very much. And as you've rightly said, this session is to facilitate knowledge. And this forum, our title is Fostering Healthy Lifestyles and Work in Urban Areas. Fostering Healthy Lifestyles and Work in Urban Areas. And we want to explore cities' role in making healthier the everyday lives of their citizens. And we want to also consider the role of learning in exercise, diet, environmental protection, the use of green spaces, and the promotion of healthy work environments. In particular, urban settings provide opportunities for learning about healthy lifestyles, being physically active, reducing the risk of obesity and other diseases, and interacting with nature. Moreover, since employees spend a large proportion of their daily life in workplace, employers have a responsibility to influence different aspects of employee health and lifestyle as well. So our objective in this Parallel Thematic Forum 2.2, Fostering Healthy Lifestyles and Work in Urban Settings, is to elaborate on the importance of learning for the facilitation of a healthy lifestyle of citizens and to discuss best practice approaches of cities. So to discuss this very important topic, I have with me 5 distinguished panelists. The first is Mr. Kang Huang, who is the Deputy Director of Beijing Municipal Education Commission in China. Our second distinguished guest is Mr. Abubakar Khalil Ndiaye, who is the Special Advisor to the Mayor of Fatick in Senegal. Our third esteemed panelist is the only lady in the panel. Her name is Ms. Maria de Carmen Benitez, who is the mayor of Ibiki, Paraguay. And the fourth is Mr. Stefano Merante, who is the Program Office Employment Policy and Analysis Program of the International Training Center of the ILO in Turin, Italy. And last but not the least is Mr. Juet Garcia. Mr. Juet Garcia is the Vice Chairman of the Committees on Appropriations, Health, and Energy in Philippines. So we have a global perspective to discuss this very important topic that we have to talk. It is important for each panelist to note that you have 8 minutes exactly to make your presentation. And after your presentations, we'll have a discussion. Some of the key questions we are looking at are, what roles do urban settings and green infrastructure play in facilitating healthy lifestyle choices in different contexts? How can cities contribute to the generation of a healthier, safer, and more inclusive workplace environment? How can citizens be engaged in long-term learning about and through healthy lifestyles? And how can existing green infrastructure and urban settings be made readily available and attractive to society? So our first speaker is Mr. Kang Huang, and he will give his speech via video online.
尊敬的大卫·艾乔莱纳先生，尊敬的各位市长、女士们、先生们、朋友们，大家好。非常荣幸能够代表北京受邀参加第五届国际学习型城市大会。首先对本次大会的顺利召开表示衷心祝贺。八年前首届国际学习型城市大会在北京成功举行，八年来世界经历了和正在经历着巨大变化。这次大会的主题是通过全民学习建设健康的城市和重回活力的城市。北京作为中国的首都、首善之区，一个拥有2100多万人口的超大型城市，始终把百姓的健康、安全、幸福放在首位。我今天发言的题目是从城市到社区，从家庭到个人，北京倡导和推动绿色健康生活方式，在如下三个方面做分享。一，北京正在建设生态城市、健康之都。北京高度重视城市生态文明建设，提出绿色北京、美丽北京、健康北京的愿景目标，让青山、绿水、蓝天成为大国首都的底色。经过努力，北京的环境治理取得重要成果， PM2.1 明显下降，雾霾天气显著减少，持续加强生态涵养和城市增绿，北京的森林覆盖率已经达到 44.4%。 北京大力推动节能减排，倡导绿色低碳生活。2020年北京市民的人均7万寿命达到 82.4 岁，经常参加体育锻炼人数比率达 50.2%， 珍惜生命，关爱健康深入人心，健康北京正在逐步形成。二，社区和家庭协同发力，共创绿色健康生活。2020年初，新冠疫情突如其来，在抗击疫情中，北京特别重视社区防疫，并得到广大社区家庭的配合与支持，为抗疫防疫做出重要贡献。北京市全面实施垃圾分类，通过普及知识、公益传播等方式，引领社区居民提升了对垃圾减量和垃圾分类的认知，推动垃圾分类成为构建美好环境与幸福生活的重要手段。近年来，北京推动生态学习社区试点，把绿色社区和学习型社区紧密融合，将绿色家庭和书香家庭共建，通过社区增绿、和谐宜居、社区文化和参与共治，形成家社协同，引领新时代绿色健康生活新时尚。三，学校教育和全民学习促进绿色健康生活。北京在中小学普遍开展生态文明教育，将节粮、节水、节人、保护环境基本国策融入品德、地理、生物等必修课程，重点尝试绿水青山就是金山银山、人与自然和谐共生理念，持续提升学生的生态文明素养，促进学生养成绿色、健康、可持续生活方式。北京积极推进绿色校园和生态校园建设，实施德、智、体、美、劳五育并举，开放大学、社区学院、社区教育中心等机构面向市民推送
健康课程，开设健康生活大讲堂，提升了市民健康素养。自2014年以来，北京市已连续七年举办生态环境文化周，面向市民积极开展生态环境宣传实践活动，宣传生态环境知识，引导市民践行绿色生活，取得了良好社会效果。女士们，先生们，朋友们，展望未来，北京将继续推进生产生活方式绿色转型，构建学校、家庭、社区、企业等多维度生态文明教育实践体系，突出区域特色，全力助力北京建成天然水清、森林环绕的生态城市，为市民创造更大的健康福祉而不懈努力。祝愿本次大会取得圆满成功，谢谢大家。Thank you very much, Mr. Kang Huan, for that presentation. Merci beaucoup de cette présentation. Nous n'avons pas eu d'interprétation en anglais. Mais j'espère que nous pourrons en temps utile comprendre tout ce qui nous a été dit. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Bougaka, qui est conseiller auprès d'un maire dans une ville du Sénégal. Alors, la thématique qui nous réunit aujourd'hui, favoriser des modes de vie et de travail sains en milieu urbain. Alors, la vallée de Fatick que je représente donc se félicite de son adhésion à ce nouveau, à ce réseau de villes apprenantes. Et c'est dire que c'est la première année que nous participons à cet événement et nous sommes membres récents. Alors, je profite de cette occasion donc pour vous transmettre toute la reconnaissance et la gratitude de la communauté faticoise à travers son maire, pour vous exprimer vraiment nos sincères remerciements pour nous avoir accueillis dans ce vaste réseau. Notre commune est petite de par sa taille et sa population, mais elle se donnera tous les moyens humains et financiers nécessaires à la réussite de ce programme de ville apprenante. Je vous apporte donc, comme je l'ai dit tantôt, les salutations de toute la communauté faticoise. Concernant la thématique, mon intervention s'articule autour de trois axes que sont d'abord les infrastructures de base alliant formation et production de matériaux, les aménagements urbains favorisant la pratique sportive et la réflexion, et enfin la protection de l'environnement et l'attractivité de la ville. Dans le cadre de sa politique de formation des jeunes et de leur insertion, la commune de Fatick a mis en place un centre de formation au métier de pavage et de production de pavés qui aura comme objectif la formation de milliers de jeunes aux techniques de production et d'installation de pavés et la fourniture à la ville de pavés destinée à l'aménagement des abords du réseau routier de 35 km de route bitumée de la commune. Vous conviendrez avec moi que ce projet va régler d'une part la formation et l'employabilité des jeunes et d'autre part, le problème d'urbanisation du territoire communal. Des milliers de jeunes vont s'activer dans les différents chantiers de la ville et au sein même des quartiers, avec l'engagement de la communauté à lutter contre l'ensablement des routes et ruelles. Ce vaste programme de la commune à haute intensité de main-d'œuvre vise à rendre fluide donc le déplacement des populations, à assainir l'environnement et à améliorer le visuel des quartiers.
À ce vaste programme d'amélioration du cadre de vie, la commune a initié des aménagements urbains favorisant la pratique sportive, gage d'une bonne santé. C'est ainsi que tout le long du boulevard Macky Sall, des équipements de remise en forme sont installés. Ces aménagements sur le boulevard qui fait office de centre d'affaires et de cité résidentielle offrent aux travailleurs, aux usagers et riverains la possibilité de pratiquer du sport de maintien dans un environnement sain. Il en est de même avec l'aménagement de la corniche sur une distance de 2 km avec des cocotiers à les piétons qui bordent le bras de mer dénommé Mamminis, génie protectrice de la commune de Fatty. Des plateaux avec chacun une dizaine d'appareils sont aussi installés sur la corniche. Nous en concluons que la vie dans un environnement assaini et des espaces aménagés incite à l'adoption de nouvelles pratiques comportementales et des attitudes qui améliorent la santé des populations, l'épanouissement des habitants et la résilience aux agressions climatiques. Le rôle de la commune est de veiller au respect des règles d'usage communautaire et de maintien des infrastructures et espaces publics. Le troisième volet concerne l'éducation environnementale adossée à la gestion des ordures. Cela implique une mise à disposition de bacs à ordures, de points de collecte normalisés et le recrutement d'une centaine de jeunes chargés du désensablement des routes et du démantèlement des dépôts sauvages. Ce programme a reçu donc l'appui de l'État du Sénégal par le biais du fonds routier et c'est des centaines des dizaines de jeunes qui sont recrutés donc pour assainir un peu le cadre de vie, pour assainir fatigue à travers donc le désensablement. Ce volet constitue une phase essentielle dans la politique d'attractivité de la ville et de maintien d'un cadre de vie sain pour une bonne santé des populations. L'environnement urbain reverdi et aménagé favorise l'épanouissement de la communauté et la joie de vivre dans un milieu sain. Enfin, nous parlons du programme EcoGeste, qui consiste à sensibiliser et à former les populations, mais surtout les travailleurs à pratiquer des éco-gestes qui concourent à maintenir les bâtiments administratifs, les lieux publics, les espaces de vie dans un cadre sain, convivial et attractif, favorisant le travail intellectuel, la création et la joie de vivre ou de travailler. Dans ce cadre du programme d'éco-gestes, pour ne citer que deux exemples, donc, avec les jeunes qui parcourent donc les différents services administratifs de la commune, etc., et qui essaient donc de sensibiliser les occupants, des travailleurs pour ne pas les citer, donc des effets donc, de la pratique des éco-gestes. Et juste pour illustrer cela, pour vous donner un exemple, en parlant donc, en rencontrant donc les travailleurs et en leur donnant, en leur faisant penser à la, en fait à l'environnement de travail, etc., j'étais arrivé quand même de voir que ne serait-ce que le fauteuil, donc le temps passé assis sur donc un fauteuil mal bourré ou un peu déformé peut amener des ennuis sanitaires par rapport à la personne. Et ne serait-ce que aussi la luminosité de la salle, du bureau, donc par rapport à la lumière, lumière naturelle comme à l'électricité, aussi peut engendrer donc des ennuis sanitaires, etc. Donc, c'est des éco-gestes, c'est des pratiques qui sont courantes et sur lesquelles donc, nous avons un important programme donc, de sensibilisation et de formation des travailleurs dans les espaces publics, dans les bureaux de travail et dans d'autres structures aussi de la place. Alors, notre présentation s'est tenue par des attentes et des perspectives dans le long terme d'une ville où les citoyens s'engagent à créer des espaces de vie et de travail dans le respect des normes environnementales et sanitaires. Le changement de comportement se fait dans le long terme, ce qui donne à la notion de ville apprenante son sens de pérennité dans la vie quotidienne des populations. Dans la construction d'une citoyenneté active, des populations s'engagent dans la pratique d'éco-gestes dont ne se sépareront jamais durant toute leur vie. Les acquis dans le cadre d'un programme de formation ou d'adaptation à l'évolution des technologies, des pratiques ancestrales et des effets des changements climatiques demeurent chez l'individu et lui donnent ce sentiment de résilience aux catastrophes et phénomènes contre nature que nous assaillons. Je vous remercie de votre attention.
Thank you very much, Mr. Boubacar Kali. Un grand merci, Monsieur Boubacar Kali, sur cette présentation du Sénégal et dans la manière dont effectivement se développe la ville apprenante au Sénégal. Je passe la parole à la princesse Maria Carmen Benitez, qui est maire de Ibicu au Paraguay. Elle est la princesse et elle a 8 minutes. I can see you online. Je vois qu'elle est en ligne, Madame Maria del Carmen Benitez. Maria del Carmen Benitez. I can see you online. Are you on mute? Je vous vois. Alors peut-être qu'il faudrait mettre votre micro, allumer votre micro peut-être, non? Merci, Madame. You can go ahead. You have the floor. Vous pouvez y aller. Vous avez la parole. Un saludo especial desde el corazón. Un saludo muy especial. Muchas gracias, Paraguay. Para mí es un honor. Voilà. Merci beaucoup de nous donner la parole. Un grand bonjour à tous. A partir de la primera conferencia internacional en la que depuis la première conférence qui s'est tenue, nous avons donc progressé. Nous voulons vous évoquer aujourd'hui ce qui s'est fait entre-temps chez nous. Le peuple guarani est donc l'épicentre donc au Paraguay que se trouve la vie de ce peuple. C'est une terre qui, bien sûr, a besoin d'être toujours soignée. Nous sommes désolés, nous avons un petit problème de volume par rapport à votre intervention, donc on va devoir régler. Effectivement, c'est toujours important de prendre en charge et de veiller à l'entretien des ressources naturelles. C'est quelque chose que nous savons et qui est essentiel. Nous sommes donc dans le réseau de villes qui prend soin donc du cadre, et notre municipalité fait partie de ce réseau. Nous avons mis en place toute une série de structures sociales qui doivent permettre d'assurer le développement durable dans l'ensemble des structures de notre société, l'objectif étant de mener à bien ce grand rêve qui est celui de l'UNESCO. Et c'est grâce à ce travail dans lequel nous nous sommes engagés, la municipalité s'est engagée, nous avons essayé de développer des expériences positives axées autour de l'apprentissage tout au long de la vie. Et de ce point de vue, la municipalité a une responsabilité importante puisqu'elle a un plan de développement durable qui a été mis en place au niveau de la municipalité en faveur, bien sûr, des espaces verts et qui concerne également tous les services publics de la ville. Il s'agit donc de développer les places, les espaces verts au sein de notre municipalité pour que le lieu, la ville en tant que telle, devienne un lieu d'apprentissage constant, d'apprentissage et d'interaction entre les différentes composantes de la société. Il s'agit donc de développer ce programme d'harmonisation, développement également qui permet de protéger un certain nombre de zones rurales. Il s'agit également de protéger les parcs nationaux et autres zones d'intérêt écologique. Alors, la ville apprenante, comment se fait cet apprentissage justement dans la ville? Il y a des organisations qui travaillent en faveur du développement durable. Par exemple, on a aussi des personnes qui participent à l'entretien de la vie, avec également mise en valeur des légendes, des histoires, des récits anciens, avec aussi mise à disposition d'une bibliothèque au sein de la communauté
précédemment, avant l'existence de cette ville apprenante, il n'y avait pas de lieu pour partager les savoirs et les connaissances. Aujourd'hui, c'est devenu réalité et nous pouvons suivre effectivement ce qui est à disposition dans ces gisements, ce qui nous permet d'apprendre également. Nous avons des activités publiques qui sont développées, qui permettent aussi d'organiser des zones, comme je le disais, de lecture. Il y a aussi un festival intergénérationnel qui permet la rencontre de la population autour de ces sujets. Nous avons donc une école de théâtre également, et les personnes qui suivent les formations au sein de ce théâtre sont formées également à ces valeurs de développement durable. Il s'agit donc d'assurer une participation de cette population autour du maintien des valeurs de la ville, et la participation de l'ensemble de la population est nécessaire dans le contexte de notre programme, et nous avons notamment célébration, donc un événement important autour de cet axe que nous sommes heureux de partager avec l'ensemble de la population. Les citoyens, comme je le disais, doivent participer dans leur ensemble à toutes nos actions de cette ville apprenante. Après, nous sommes tout à fait conscients que, par exemple, les incendies de forêt en 2020 ont eu un impact considérable sur l'arbre qui était extrêmement important, qui a été très important pour la population paraguayenne, d'expliquer à quel point la biodiversité est quelque chose d'important dans notre zone, sans oublier donc évidemment les pompiers volontaires et bénévoles qui ont pris en charge justement la protection du parc national, notre parc national, avec tout ce symbole de l'arbre. Et là, toute la population est mise à contribution, que ce soit les plus jeunes, les plus âgés, tout le monde est axé autour de cette symbolique de l'arbre. Tout le monde est engagé en faveur du parc national du Paraguay. Les jeunes, tous, je le disais, il y a eu parfois des pompiers bénévoles qui ont préparé la tâche, des tas de gens qui avaient vraiment, si vous voulez, la volonté d'emblée de travailler en tant que citoyen engagé en faveur de la ville apprenante, des gens qui sont impliqués, qui montrent aussi que parfois l'apprentissage peut prendre différentes voies. Il va y avoir une ville, une municipalité qui va développer un certain nombre d'actions en utilisant toutes les opportunités et les atouts qui sont disponibles sur place. Il y a, c'est vrai, aussi des possibilités de développer un cadre professionnel durable et bénéfique en mettant en place un travail au niveau des pouvoirs locaux du gouvernement local qui peut faire des actions au niveau local qui vont permettre de trouver des solutions, et l'environnement professionnel ou de travail effectivement peut être amélioré de ce point de vue. On a des actions quotidiennes au jour le jour qui permettent d'améliorer le cadre professionnel. Ça peut passer par exemple par l'amélioration de l'éclairage public ou autre. Un environnement de travail inclusif, eh bien, il va passer par exemple par la mise en place de rampes d'accès, notamment dans les espaces publics pour les personnes qui sont porteuses de handicap, par exemple. Un milieu professionnel ou un environnement professionnel ou de travail agréable implique aussi une action sur l'hygiène, notamment les conditions d'hygiène sur le lieu de travail. Alors, comment est-ce que, en tant que citoyen, on peut prendre part, nous, activement, à cet apprentissage durable en faveur d'une ville apprenante, innovante, autour du thème qui nous intéresse? Eh bien, on peut ne pas gaspiller, faire attention à la manière dont on se débarrasse
des déchets, des poubelles. Tout ça, c'est une action qui est à la fois une action et un apprentissage. On peut tout à fait aussi, dans le milieu familial, se dire que, par exemple, les parents, père, mère, peuvent assumer aussi une transmission et une responsabilité. Et puis, la propreté également publique, des lieux publics qui doit être assurée par la municipalité. Et il y a également, si vous voulez, là, tout un dispositif qui va permettre aux citoyens de bénéficier d'une part des améliorations, mais aussi d'y prendre part littéralement à la gouvernance de la ville. Il y a, par ailleurs, ce qui est important également, c'est que tout ce qui est les éléments tels que propreté de la ville, sécurité du lieu public, c'est aussi des choses à développer en faveur de la population. Il faut apprendre, je le disais, apprendre à protéger l'environnement et l'écologie, et faire cela, c'est travailler dans le sens du bien commun, c'est montrer aussi que le paysage, qu'il soit rural ou urbain, peut être développé dans des conditions qui vont dans le sens d'un contexte idéal et amélioré pour tout le monde. Voilà, je vous remercie de votre attention. Thank you very much. Un grand merci pour cette présentation également extrêmement intéressante et tout à fait dans l'esprit d'une action holistique. Alors, je ne sais pas, je vois toutes les mains qui se lèvent et toutes les intentions de parole qui se présentent. Alors, merci à la maire. J'appelle maintenant Stefano Merante, qui est responsable au Centre international de formation de l'OIT à Turin, en Italie, qui va également maintenant prendre la parole. Vous avez une minute, vous aussi également. Merci, Excellence. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous faire une présentation donc avec une approche légèrement différente par rapport aux orateurs précédents, parce que je ne travaille pas pour une municipalité. Personnellement, j'aimerais mener une réflexion sur la manière dont les organisations internationales peuvent aider des villes, des collectivités à développer les politiques d'apprentissage tout au long de la vie. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous livrer une expérience très concrète. Diapositive suivante, qui a été menée par deux organisations internationales, Turin. Donc, il y a des agences européennes qui travaillent sur le développement des compétences, et il y a le centre de formation de l'OIT. Donc, on a des mandats avec ces deux organisations qui vont bien au-delà de la ville dans laquelle nous sommes. Mais nous faisons partie également de la ville de Turin. Et donc, nous essayons de faire quelque chose pour cette ville. Diapositive suivante. Et donc, nous voulions faire un don, un cadeau. En 2019, c'était le 25e anniversaire de la Fondation de formation de l'Union européenne. C'était également l'anniversaire de l'OIT. Et nous avons, au lieu d'organiser un grand événement, et au lieu de faire une fête, donc pour commémorer ces deux anniversaires, nous avons décidé de faire quelque chose pour la ville, de lui faire un don. Et tout ça, nous avons lancé un processus, donc nous avons rassemblé les parties prenantes pour mener une réflexion sur l'avenir de cette ville. Donc, nous avons créé un groupe de travail composé d'organisations d'employeurs, de collectivités locales, d'autorités locales, de secteurs privés, d'ONG, de chambres du commerce. Nous avons créé un groupe multipartite pour mener une réflexion sur les défis de Turin, les défis qui se profilaient
pour l'avenir. Donc nous avons tiré parti de l'expérience de l'OIT, qui a l'habitude de rassembler différents acteurs. Et là, vous pouvez voir donc les quatre grands défis de cette ville, la gestion de l'innovation d'abord, donc comment est-ce que la ville peut innover en ce qui concerne ses pratiques en matière d'apprentissage tout au long de la vie, éducation et formation du point de vue de l'apprentissage tout au long de la vie, comment promouvoir cet apprentissage tout au long de la vie dans notre ville, coopération entre différents acteurs pour l'innovation, il est essentiel d'associer les collectivités locales, mais également les acteurs du secteur privé, les organisations de travailleurs, toutes les forces vives, comme on dit en français. Et ensuite, mener une réflexion axée sur l'avenir. On ne doit pas seulement penser à la ville telle qu'elle existe, mais nous devons nous projeter dans 20, 30 ans et voir comment la ville peut évoluer. Donc nous avons organisé plusieurs réunions avec ces groupes et avec la maire de Turin qui a conduit les travaux de ce groupe. Donc nous avons rassemblé toutes ces forces vives pour définir les différents défis et faire en sorte que les acteurs de la ville se saisissent de ces enjeux. Diapositive suivante. Ensuite, nous avons organisé une réunion d'experts. Voilà le rôle des organisations internationales, en tout cas le rôle qu'elles peuvent jouer, donc apporter une certaine expertise, des connaissances spécialisées au service des villes dans lesquelles nous vivons, dans lesquelles nous sommes présents, même si notre mandat porte sur le monde entier. Mais parfois, nous négligeons ce qui se passe tout près de nous. Il y a des interactions systémiques entre des organisations internationales, les villes, les territoires sur lesquels elles opèrent peuvent être promues, encouragées. Nous voulions avoir des sources d'inspiration. Comment s'inspirer pour l'avenir? Donc, nous avons impliqué des personnes qui sont hors des sentiers battus. Donc là, par exemple, il y a un secteur de l'espace assez important à Turin. Vous savez qu'une grande partie de l'ISS a été construite à Turin. Et donc, nous voulions écouter des personnes qui en permanence travaillent pour l'avenir, pense à l'avenir en permanence comme les personnes qui agissent dans le secteur spatial. Et donc nous voulions rassembler des personnes qui dans le centre de formation internationale, donc nous avons rassemblé 40 personnes de la ville et puis 40 experts qui venaient du monde entier. Et tout cela a été fait en coopération avec l'Institut d'apprentissage tout au long de la vie de l'UNESCO. Et nous, donc, nous avons pu bénéficier de l'expertise d'acteurs, d'experts du monde entier et de représentants locaux pour engager un dialogue. Diapositive suivante. Comment est-ce que nous l'avons fait? Nous n'avons pas organisé de conférences classiques. Il y a eu un hackathon pour justement organiser un atelier pour parler de tout cela, donc coopération avec des experts locaux, internationaux, des acteurs locaux pour participer de tout ça de manière dynamique et vivante. Et cela a permis, nous avons pu obtenir des résultats significatifs. Donc avec, pour ce qui est des plans de reprise post-Covid. Donc ce groupe de personnes continue de travailler, de mener une réflexion sur la manière dont la ville, mais également la ville qui s'inscrit dans une région, pouvait donc mettre en œuvre les politiques de reprise et de relance après la crise de la Covid-19. Et donc cela a des conséquences, des répercussions bien après les événements que nous avons organisés. Ensuite, donc cela a servi de source d'inspiration à d'autres villes. Si on peut passer donc à la diapositive suivante, on peut voir que cela a permis de servir de modèle pour un atelier, un hackathon qui s'est tenu en Colombie avec la ville de Manizales, qui fait partie des villes du réseau de villes et d'apprentissage tout au long de la vie.
en tant que acteur extérieur. Donc, ces personnes ont participé à notre événement et puis se sont dit « Ah, mais nous pouvons reproduire ce type d'expérience ailleurs au niveau national, dans nos universités. Et nous pourrons donc organiser des ateliers pour les jeunes, pour qu'ils puissent réfléchir à la manière dont ils peuvent avoir des modes de vie plus sains, accroître et être plus écologiques dans leur ville, au niveau local, aujourd'hui. Donc, il me reste quelques secondes. Alors, j'aimerais souligner l'importance du rôle des organisations internationales qui peuvent jouer le rôle de vecteur pour la mise en œuvre de politiques d'apprentissage tout au long de la vie, y compris au niveau local, et qui peuvent être porteurs de changements. Et il est important d'être conscient qu'on ne doit pas vivre dans notre petite bulle, coupée de la réalité des villes dans lesquelles nos organisations sont implantées. Nous pouvons donc engager ce type de dialogue, rassembler différents acteurs, et ça a servi de source d'inspiration pour nos programmes à nous dans notre organisation. Et aujourd'hui, nous avons nous organisons des formations avant même de les rendre disponibles pour le monde entier. Nous testons nos projets pilotes, nos formations au niveau local. Et donc, finalement, ça nous a permis d'innover dans notre ville. Donc, d'abord, on teste et puis ensuite, on généralise nos formations dans le monde entier, est bien sûr du ressort des prérogatives de l'OIT. En ce qui concerne nos programmes de renforcement des capacités. Alors, j'ai peut-être un petit peu dépassé le temps qui m'était imparti. Je vous redonne la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Stefano, de nous avoir présenté une autre approche intégrée, holistique, concernant le rôle de votre organisation internationale pour contribuer à bâtir donc des villes, des villes apprenantes. C'est vrai que donc, nous allons maintenant passer au dernier orateur, vice-président de la commission de la santé et de l'énergie dans les Philippines. Vous avez 8 minutes. Merci, Excellence. C'est un honneur de vous présenter ma ville, pour ce qui est de la promotion de mode de vie sain. Alors, nous avons énormément de pathologies, de maladies liées au mode de vie. Donc, diabète, cancer, asthme. Et cela peut être évité. Nous avons identifié des changements de mode de vie qui pouvaient avoir un impact. Tout d'abord, une campagne anti-tabac pour faire baisser la prévalence de la présence de fumeurs. C'était 25% en 2008. Donc, il y avait des problèmes pour arrêter de fumer. Il y avait également la création d'espaces non fumeurs dans l'espace public. Nous avons également lancé un mouvement pour protéger notre jeunesse vis-à-vis de l'addiction et vis-à-vis du tabac. C'est le mouvement d'une génération exempte de tabac qui a été lancé à Singapour, Dr. Herman Kong. Le Dr. Kong a fait des conférences dans toutes nos écoles publiques et a affirmé qu'il fallait que les jeunes ne commencent jamais à fumer, qu'ils ne deviennent pas des fumeurs. Et les jeunes ont pris des engagements. Aujourd'hui, nous sommes confiants sur le fait que nos générations futures pourront avoir des modes de vie plus sains. Et le 18 mars 2016, notre ville a été déclarée comme étant la ville, la première ville où la jeunesse est exempte de tabac. Et plus de 16 000 jeunes personnes ont participé à un cours. Et d'ailleurs, nous avons battu le record Guinness du nombre de personnes participant à un cours. Et nous, vous pouvez voir une vidéo.
With a massive campaign for TFP. Donc avec cette campagne massive et l'engagement de nos étudiants, des familles, c'était une expérience inédite. Nous avons battu un record. Nous avons pu faire baisser le nombre de la proportion de fumeurs à 10%, ce qui permettra de faire progresser les modes de vie sains pour tous. Diapositive suivante. Next slide. Suivante, s'il vous plaît. Et donc, ça a donné un signal de départ pour nos 12 collectivités locales pour mettre des activités pour des modes de vie sains. Donc, danser, courir, matin. Donc, il y a eu un programme de Zumba, par exemple, dans chaque ville. Et il y a également des courses qui sont organisées chaque année. Les familles. Avec cette expérience, en tant que membre du Congrès, nous promouvons également les professions avec des dispositions qui désignent nos écoles en tant qu'environnement sain. Donc, il s'agit de faire de l'éducation, de la sensibilisation, mais il faut également vérifier qu'ils ont vraiment des modes de vie sains. Donc, il s'agit là d'une politique très ambitieuse et ça a été efficace dans un grand nombre de villes dans le monde que si nous formons nos jeunes pour qu'ils aient des vies saines, des régimes alimentaires sains, qu'ils évitent le tabac, l'alcool et les stupéfiants, cela permet d'avoir des modes de vie plus sains. Diapositive suivante. Et donc avec nos parties prenantes, nous avons organisé une caravane avec des activités, des conférences dans différentes provinces. L'un de nos défis, c'est la disponibilité d'aliments nutritifs comme les légumes. Et à travers notre centre de technologie, nous avons mené des projets pilotes pour une diversification des récoltes, des aides pour les petits exploitants. Voilà une petite vidéo qui illustre bien ce projet. High value crop production is now much higher. Donc, la production de denrées alimentaires à forte valeur joue un rôle important. Nous avons de plus en plus d'étudiants qui participent à nos programmes et on peut avoir donc des légumes plus abordables et plus nutritifs. Dans le contexte de la pandémie, nous avons continué de promouvoir l'activité physique à travers le programme Zumba. Nous avions des centaines de participants d'exercices de danse qui ont participé, de collectivités locales, de différentes communautés qui travaillaient depuis leur domicile ou depuis leur bureau ensuite pour nous attaquer aux problèmes de santé psychologique. Nous avons utilisé les réseaux sociaux et des lignes d'urgence et les hôpitaux locaux ou les services de santé ont pu répondre rapidement pour aider les personnes qui faisaient face à des problèmes de santé psychologique. Il y a des montagnes, il y a la mer dans nos régions, donc nous avons pu tirer parti de tout cela. Ensuite. Next slide.
Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le week-end, et il y a eu également des exercices de, pour les joggeurs, pour les cyclistes, avec des zones sûres pour pratiquer une activité physique. Et donc, la promotion de tout cela doit être abordée de tous azimuts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces précieuses contributions. Donc, nous allons voir s'il y a des questions dans le chat. En attendant, donc en attendant ces questions, j'aimerais donc résumer ce que nos intervenants nous ont dit. Donc, les orateurs nous ont fait des présentations de différents points de vue, d'expériences différentes, donc en tant que maire, avec Madame Carmen Benitez, avec mon collègue du Sénégal, avec notre collègue Kang Yang qui s'est exprimé par vidéo et qui a parlé des différentes mesures qui sont prises pour développer la ville du point de vue écologique. Et donc, avec tout ce débat, on a parlé de l'importance de la promotion de modes de vie sains dans des environnements urbains. Et là, on a eu différentes réponses. Et donc, j'aimerais commencer par la dernière intervention. J'ai trouvé que c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé la danse, parce que c'est vrai que c'est une activité sportive, comme vous l'avez dit. Chaque ville devrait avoir des lieux pour pratiquer la danse. Et quand on danse, on ne sait même pas qu'on est en train de s'exercer. Vous avez parlé Zumba, vous avez parlé des cours de Zumba. Je pense que ça fait vraiment partie d'un mode de vie sain. Et je pense que ça peut vraiment permettre aux gens d'y participer, notamment avec la caravane dont vous avez parlé, cette caravane d'élèves, d'étudiants. Et puis ensuite, on nous a parlé du rôle des organisations internationales, des réflexions qui sont menées. Par exemple, je suis à Dubaï, je participe à la 72e conférence internationale sur l'aéronautique. Et vous avez parlé de l'espace, par exemple. Et quand on parle de mode de vie sain dans les environnements urbains, et c'est vrai qu'on peut utiliser des données satellites pour procéder à des analyses, par exemple. Et on peut utiliser les paramètres physiques. Et donc, c'est vrai que les organisations internationales peuvent travailler ensemble de manière intégrée pour donner des idées sur la gestion de la nutrition, l'éducation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie entre les différents acteurs de plusieurs secteurs. D'ailleurs, ce qui a été aussi très important, c'est lorsque l'intervenant suivant a vraiment fait l'état des lieux de ce qui se passe au Paraguay. Elle a parlé des objectifs d'espace vert. Alors, lorsqu'un pouvoir public a une vision de ce qu'elle souhaite faire passer à la population, ensuite il est possible de délivrer. Elle a dit qu'il était important d'avoir tout un contexte où, par exemple, on pouvait planter des arbres, protéger les réserves naturelles et impliquer toute la population. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de l'environnement, de la malnutrition? Lorsque l'on dit, par exemple, l'on parle de stimulation de l'activité publique à travers la stimulation de l'action intergénérationnelle avec action, par exemple, avec combinaison de la danse, du théâtre,
des activités théâtrales, du sport aussi. Je pense qu'en menant tout cela au niveau intergénérationnel, on va pouvoir mettre en place une synergie intergénérationnelle qui va permettre justement de faire avancer nos villes apprenantes. Alors, y a-t-il des questions? Il y a une question que je vois là sur le chat. Quelqu'un demande comment on peut s'assurer que les interventions fondées sur l'éducation ne vont pas entraîner des inégalités en termes de santé, puisque les personnes moins éduquées, évidemment, ont du mal à modifier leur comportement, peut-être plus que les autres. Alors ça, c'était une des questions qui a été posée sur la conversation. Et puis, peut-être que, je ne sais pas, le panel a peut-être envie de répondre à cette question-là, donc je vous la transmets, cette question. Peut-être une minute, si vous le voulez bien, une demi-minute chacun en plus pour répondre précisément à cette question, si vous le voulez bien. Qui est-ce qui veut démarrer? Excellence, moi je veux bien, hein, si vous voulez, je me lance en premier. Je pense que c'est une très bonne question. Se demander comment est-ce qu'on peut faire en sorte que toute la promotion de la santé fondée sur l'éducation ne laisse pas des gens sur le côté et n'entraîne pas des inégalités. Alors, je dirais que les villes apprenantes, si vous voulez, œuvrent en faveur de l'éducation formelle auprès de la jeunesse. On a des programmes chez nous qui font que on est certain que tous les jeunes peuvent être impliqués dans ces programmes à l'école. Et si jamais tel n'était pas le cas, on a en plus un autre système d'apprentissage qui est fourni par le ministère de l'Éducation et ce deuxième dispositif, de promotion des pratiques de bien-être et de santé sont donc proposés au titre de ce deuxième système. Donc, autant vous dire qu'il n'y a pas simplement au niveau scolaire qu'on peut intervenir, mais que, le cas échéant, en cas de besoin, on peut tout à fait travailler auprès des communautés. Aux Philippines, par exemple, il y a des barangays, enfin, c'est des villages, en fait, c'est l'unité politique de base qui va répondre justement aux inquiétudes ou aux questions des gens dans les villages. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas scolarisés, ils peuvent tout à fait quand même mettre en place des activités de promotion à l'adresse de ces publics-là. Merci beaucoup, Monsieur Joël Garcia. Autre question, comment est-ce que les citoyens, si vous voulez, peuvent s'engager dans un enseignement de longue haleine? Comment est-ce qu'on peut les impliquer vraiment dans la durée et pour quasiment un apprentissage qui va durer toute la vie par rapport à ces pratiques et ces modes de vie sains? Alors, est-ce que quelqu'un voudrait répondre à cette question peut-être? Et il y a encore une autre question, la troisième. Comment les villes peuvent-elles contribuer à la génération d'un environnement plus inclusif, plus sûr et plus sain aussi? Comment les villes peuvent-elles contribuer à la mise en place d'un lieu, si vous voulez, d'un lieu de travail qui soit à la fois plus inclusif, plus respectueux de l'environnement et des pratiques qui sont bonnes pour la santé? Alors, le lieu de travail, donc, cette fois-ci, ça, c'est la question. Mais écoutez, avec votre réalisation, moi, je pense qu'on peut dire que, pour répondre à cette dernière question, je pense que c'est important, si vous voulez, de faire une éducation publique, littéralement, dans la rue, dans les places, dans les parcs. C'est une façon d'interagir auprès de la population, qu'on danse la polka, le rock. Enfin, il y a, par exemple, cet échange
autour de la danse qui va permettre, bah, pourquoi pas, de s'engager sur un mode de vie plus sain qui ensuite va se transmettre aux plus jeunes, aux enfants. Et puis, c'est important aussi pour les plus anciens. Donc, ça, c'est des points, sont des lieux que nous, des lieux de rencontre qu'on développe en quelque sorte en tant que municipalité pour renforcer la proximité dans cet espace public. On trouve à peu près dans chaque village, chaque quartier, on a cette possibilité qui est donnée d'une rencontre de tous, et c'est un renforcement, je crois. C'est important d'apprendre depuis le berceau jusqu'à la tombe, pour ainsi dire, des premiers jours de la vie jusqu'à la fin, tout au long de la vie. Oui, il faut continuer d'apprendre, et nous, ça nous importe beaucoup. Merci beaucoup. Enfin, c'est la dernière question, mais ce n'est peut-être pas la moins importante. Alors, qui veut répondre? Monsieur Boubacar, vous souhaitiez répondre, je crois. Oui, en fait, par rapport à la question précédente, je pense que c'est ce que la ville apprenante nous apporte. En fait, la réponse, c'est la ville apprenante. Parce que dans ce programme, bon, en fait... aussi bien les instruits que ceux qui ne sont pas allés à l'école, donc sont pris en compte dans le cadre de programmes de ville d'apprendre tout au long de la vie. Je pense qu'en intégrant donc tous les secteurs, tous les segments de la communauté, on parviendra peut-être à stabiliser un peu le niveau de connaissance et en même temps donc apporter, donc amener les uns et les autres à s'entraider, à se solidariser et à avoir du bon côté quand même, de positiver un peu les choses. Maybe I would like to contribute, Her Excellency. Je peux peut-être participer si vous le voulez bien, madame. Je compléterai peut-être en disant qu'il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on peut déployer au niveau local un apprentissage au long de la vie. Et pour cela, il faut vraiment tenir compte des différentes dimensions de ce type d'apprentissage. Comment la ville peut avoir un impact de ce point de vue? Alors, il y a dans un premier temps, il y a l'éducation formelle. Et ce qui est important, c'est que dans les limites, bien sûr, de la liberté pédagogique, de toute institution de formation, d'apprentissage, on peut quand même préparer des messages, si vous voulez, de principe dans la formation initiale pour faire passer des messages. Et généralement, ça, c'est quand même quelque chose de très important pour... parce que ce sont ceux qui arrivent, si vous voulez, les instances qui accueillent les personnes venues des milieux les plus modestes et les plus précaires. Donc, c'est important de faire passer, y compris chez eux, ces messages qui concernent le mode de vie, la sécurité sur le lieu de travail. Après, on a une deuxième catégorie qui est l'enseignement ou l'apprentissage formel et informel. Et là, on a vraiment eu des retours d'expérience très intéressants ce matin. Comment est-ce qu'on peut impliquer les citoyens dans ce type d'apprentissage? Ça, c'est vraiment très important à mon avis. C'est un apprentissage entre pairs, c'est-à-dire... pas simplement qu'est-ce que peut faire votre ville, mais comment pouvez-vous vous inspirer de ce qui a pu se faire ailleurs? Comment vous pouvez bien sûr décliner ça après en fonction de votre contexte particulier pour l'appliquer chez vous dans votre ville? Il faut rester très ouvert, avoir l'œil, avoir les oreilles toujours qui traînent et à l'écoute pour pouvoir s'inspirer de ce que font les autres, pourquoi pas. Merci beaucoup. Je pense que sur cette note, nous arrivons effectivement à l'issue de cette partie de notre réflexion. Ça a été un échange que j'ai trouvé très intéressant, très vivant. Je remercie Madame la maire et tous nos collègues, et notamment qui ont partagé des vidéos, des présentations, parce que à chaque fois, ce que vous nous avez montré, c'est quelque chose de une démarche holistique, et c'est ce que nous recherchons.
je pense qu'en appliquant ce type de démarche, on peut tout à fait faire ce travail synergique. Ce qui permet donc de voir les défis et les difficultés pas simplement sous l'angle d'une difficulté, mais aussi sous l'angle de quelque chose pourquoi on a des solutions. Vous veniez d'évoquer les modes d'intervention dans l'éducation dite formelle, celle qui est plus informelle. Il y a effectivement des tas de lieux d'apprentissage. L'idée étant effectivement de renforcer des styles de vie qui soient bénéfiques en faveur du bien-être. Le paradigme, c'est vouloir développer de manière holistique des modes de vie qui sont bénéfiques. Il y a des maladies qui sont transmissibles, d'autres qui ne le sont pas. Ce plan sanitaire est important aussi, il fait partie de cet environnement. Il est donc particulièrement important de garder ce point de vue. Vraiment, je vous remercie pour vos présentations très enrichissantes. J'étais heureuse d'être le modérateur de cette session et puis on reste en contact autour de ce sujet parce que c'est notre responsabilité. C'est la responsabilité de tout un chacun, qu'on soit décideur politique ou qu'on travaille dans le secteur public ou qu'on soit un particulier. Umputu, I am because you are. Je suis parce que tu es. Voilà, nous sommes tous ensemble là, autour de ce travail. Voilà, merci à tous. Merci à Madame la modératrice. Merci à tous les intervenants pour leur intervention. On rappelle que nous avons travaillé sur l'amélioration des styles de vie, modes de vie. Tous les intervenants ont communiqué leur point de vue et puis ont fait un retour de leur propre expérience. Et il y a une chose qui est très importante, je m'en rends compte, c'est qu'il y a tellement de gens dans le monde entier qui ont travaillé pour que ma vie soit plus saine, pour que moi j'aille bien, que ma santé soit protégée de celle des autres. Et ça, je m'en rends compte. Merci. Bien, nous allons conclure cette session. Le prochain séminaire va commencer à 11h, dans quelques minutes, à tout à l'heure.